Bonjour à tous, c'est Djibril Cissé. Je vous donne rendez-vous avec Florian sur Culturez-vous à La Rochelle. Ne manquez pas, l'interview est super. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose, tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Culturez-vous le mag à La Rochelle. Aujourd'hui, c'est 24h avec Djibril Cissé, émission spéciale pour le livre Un lion ne meurt jamais. Mon invité est là. Bonjour Djibril, comment vas-tu ? Ça va, très bien, très très bien. Séance de dédicace à La Rochelle, comment ça s'est passé ? Bien, bonne ambiance, il y avait pas mal de monde. Donc, non, c'était bien, une bonne petite séance. L'occasion de ta venue, je le rappelle, c'est ça, c'est le livre de Djibril, le premier livre. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce projet, comment il est né, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile? Je sais que tu te livres beaucoup à l'intérieur de ce livre. Difficile non, parce que c'est un bel exercice à faire, on ressasse un peu les souvenirs et on essaye de trouver les choses qui vont toucher les gens. Et comment ça s'est fait, je savais que j'allais plus être dans le foot pour trop longtemps vu que j'avais un gros problème de hanche. Et voilà, on a eu l'idée de mettre ça sur écrit et de faire partager ça aux gens qui m'apprécient et aux gens qui veulent me connaître. Aujourd'hui, le retour par rapport au livre, est-ce que tu es plutôt satisfait? Comment l'accueil du public? Quel a été l'accueil? Très bien, très très bien. On s'attendait pas à un succès aussi rapide. Donc voilà, je remercie tout le monde, je remercie tous les libraires qui ont joué le jeu en prenant le livre et en acceptant des séances comme aujourd'hui. Et franchement, voilà, un beau succès. Voilà. Alors, on le sait, le foot maintenant c'est un petit peu derrière toi, même si on a appris que tu allais être chroniqueur dans le cadre d'une émission sur iTélé, donc affaire à suivre. Hein. Aujourd'hui, c'est plusieurs casquettes à ton arc. Le livre, tu mixes aussi ce soir et tu as la marque Monsieur Le Noir. J'ai envie qu'on en parle quand même de cette marque qui est vraiment super. Merci, merci. Je suis content que ça plaise aux gens. Ouais, j'ai une marque de vêtements aussi qui s'appelle Monsieur Le Noir. Ça fait maintenant 3-4 ans que c'est sorti. Et voilà, la mode, c'est quelque chose qui me fascine et que voilà, j'avais envie de faire quelque chose dedans et de, pareil, toujours dans le même esprit, de partager avec les gens ma vision de ma mode à moi, pas de la mode voilà, en général, mais de ce que j'aime porter et voilà, essayer de faire des modèles qui me plaisent et qui pour que les gens s'identifient aussi à moi. Les internautes qui nous regardent, s'ils ont envie de se procurer la marque, comment ça se passe au niveau des points de vente du site? Est-ce que tu peux un peu balancer quelques infos là-dessus? Oui, ça dépend déjà dans quelle ville les téléspectateurs sont, parce qu'il y a des villes avec des revendeurs, mais sinon le plus simple c'est le site internet qui est www.monsieurlenoir.com et voilà, on livre de partout, donc c'est plus simple. Et vous pouvez vous faire dédicacer aussi. J'ai vu ça sur le site, vous avez juste à laisser un message et Djibril, il vous dédicace le livre, vous le recevez chez vous, c'est parfait, c'est super. Et donc, des petits services qu'on essaye des petites choses en plus qu'on essaye de faire pour satisfaire les gens et les gens qui m'apprécient. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de messages, mais on se débrouille. En tout cas, ça a le mérite d'être souligné parce que peu de gens le font. Et donc, quand il y a des artistes et des personnalités qui prennent le temps de le faire, je pense que ça, il faut vraiment l'indiquer. Mixer, DJ,
c'est la musique, c'est quelque chose qu'on sait souvent que les footballeurs aiment beaucoup la musique. À l'entraînement, sont proches parfois de certains artistes. Le top 5 en ce moment, si on prend l'iPod de Djibril, là, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Oh, en ce moment, je suis beaucoup dans l'Afro House. C'est un style de musique qui commence à faire son trou. Il y a beaucoup d'artistes ghanéens, nigériens. Il y en a beaucoup en Hollande aussi qui sont très très forts. Et voilà, c'est un genre de musique que j'écoute beaucoup en ce moment. Et j'ai de place aussi, j'en place beaucoup dans mes sets. Mais sinon, je joue électro, un peu quand même, un peu plus orienté. Ce soir, le mix, il aura quelle saveur ? Quand même pas même d'électro. Et après, je m'adapterai aux gens, voir comment les gens réagissent. Et voilà, il y a toujours deux ou trois morceaux commerciaux qu'il faut quand même jouer. Même si c'est pas vraiment tout ce qui est commercial, c'est pas vraiment mon truc, mais il y a quand même des morceaux où il faut faire plaisir aux gens. Mais ça sera plus Afro House et Electro. Avant de te quitter, de te laisser te reposer un peu dans le mix de ce soir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je sais que tu es papa, donc forcément plein de bonheur pour ta petite famille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qui arrive pour la suite ? Pour la suite, là, on est en pleine réduc, on essaye de défier la médecine encore une fois et d'essayer de revenir si on peut. Si ça se fait pas, c'est pas grave, on aura tout essayé et je serai peut-être un peu plus dans les médias, mais aujourd'hui ma tête elle est à revenir le plus tôt possible sur le terrain, si possible. Le mot de la fin pour les gens qui te regardent, tu leur dirais quoi ? Non, je leur dirais merci du soutien, merci d'avoir été et d'être là pour moi et voilà, leur dire que je vais essayer de pas les décevoir et de faire le maximum pour qu'ils me retrouvent sur les terrains. Djibril, merci beaucoup et à bientôt. Cette séance à La Rochelle alors. C'était bien, il y avait du monde, on a fait plaisir aux gens, c'est bien, c'est bien.